d'où elle vient. À tout moment, je finis par trouver un mail. Hein. D'ailleurs, ouais. Le premier qui me parle de la vidéo de Brunol. J'ai pas vu non plus. En gros, c'est trois conseils pour les débutants. Le premier, c'est trouver un mail. Le deuxième, c'est pas jouer contre des ordi niveau 9. Et alors là, je me suis dit, il m'a deux hits combo quoi. Oh, j'avais parlé. Alors, le Gaman et le Joker. Hein. Alors, j'avais parlé du Joker. J'avais bon. Oh, j'avais et bon le sur Link. Le Link. Eh, en vrai, allez, j'en avais. Un monstre. Hein. Allez. Et Eternal City qui est prise, donc une des maps les plus grandes. Pour le double évidemment c'est intéressant. Tandis qu'on représente Jayden évidemment du côté d'NGP. Par contre attention parce que là dessus le Megaman il peut totalement mettre une grosse pression. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le Leaf Shield qui a été totalement contré par NGP. Belle présence d'esprit là dessus parce que c'est pas facile de contrer un Leaf Shield. Et les gardes de Megaman elles déconnent pas hein. Donc faire attention à pas se retrouver offstage. Alors oui, les manettes pro sont autorisées, c'est vrai que j'allais... Les manettes pro sont autorisées, les adaptateurs Ethernet, on en a pas besoin parce qu'on joue pas en online. Voilà. Hop. Taka qui met quelques boomerangs et qui arrive à zoner ce Sacha. Allez. Et la première stock de Yasmat qui va tomber. Et la première stock de Sacha aussi. D'ailleurs, je me pose la question. Est-ce que quand Sacha switch, ça augmente la jauge d'NGP? Non, c'est non. Que quand ils sont ensemble. Ok. Parce que sinon on va être un peu deck de switch quoi. Tu m'étonnes. Sacha qui a raté son combo sur Taka ici, c'est dommage, il y a quelques pourcentages qui auraient pu être grattés. NGP qui va tuer le Link qui vient s'écraser sur l'écran. Et il en a profité, c'est pendant que le Link a bloqué toute la vue pour prendre la petite Metal Blade. Ah oui hein. Il est sournois ce Yasmagot hein, quand même. Ce jour. Les bombes qui s'échangent tel l'entraînement au LOSC pour Sordax. Sacha le nerf sera Sacha là sur la bonne edge guard pour empêcher NGP de revenir, le nerf encore une fois et qui va pousser joli. Très loin. Et ce sera même suffisant pour l'envoyer directement dans la blast zone. NGP qui perd sa première stock sur son Joker, tout le monde. État de stock, bienvenue sur Smash 4. C'est ça, très intelligent comme manière d'edge guard. Un Joker qui rico un peu de manière similaire à un Tether. Le nerf qui va couvrir une grosse zone, oh là là le petit drag down. La fin du combo qui va pas passer malheureusement, ça aurait pu tuer le Megaman là-dessus, mais malheureusement l'exécution n'a pas été au rendez-vous et une très bonne DI à souligner de la part du Megaman. D'ailleurs on a les couleurs belges hein, sur le. Les couleurs belges sont totalement représentées avec le jaune, le noir et le rouge. Il est vrai. Dans cette loser semi entre Yasmagot, Sacha et Taka NGP. Ouh, Taka qui a tenté la ride avec ce petit up-B là sur le confirm. NGP qui doit trouver quelque chose à faire de ce Arsène qui va essayer d'aller chercher loin Sacha. L'edgeguard aussi de la part du Megaman, les deux edgeguards qui sont passés en simultané et tous les joueurs qui s'en sont sortis indemnes. Ouais, pour l'instant on a quand même un léger avantage au niveau des stocks du côté NGP Taka, mais Sacha va venir équilibrer un peu tout ça avec son dresseur de Pokémon. Attention. Oh la petite bombe. Ouais attention, je veux dire Yasmat à ne pas se faire éjecter trop loin. Taka qui viendra carrément finir NGP maintenant, tout le monde sur sa dernière stock. Quelques pourcentages d'avance. Enfin quelques pourcentages de retard du coup sur Yasmagot avec son Megaman, mais sinon. Très appréciable de voir les deux teammates qui se font des passes avec la bombe. Ah ouais, bah ça joue, hein, ça joue. C'est en très plus, beau. Ça présente les couleurs des chiens, des doges. Oh, le petit side B qui va pas passer. Ah, attention, Yasmagot ici. Là, l'équipe jaune qui commence à se rapprocher du kill pourcent. Va falloir faire attention à pas prendre un kill move un peu piffé ou alors bien organisé là-dessus. Ça peut être très dangereux. Ouais, mais t'avais Sacha qui était en contrôle de terrain là avec cette air bizarre. Maintenant, il va se retrouver un V2. Il doit trouver une solution. Et le pire moment, hein, Arsène qui arrive vraiment au pire moment. 104% du côté du Dracofeu, ça va pouvoir y aller. Taka qui y va, il attend. Aïe. Et oh, ce le sera petit le Smash. Trump smash. Très bien joué, belle coordination de la part des joueurs, belle idée. Bah il y a une attente qui était bonne du côté Taka NGP. Ouais. C'est toujours le ce qui est risqué voilà en 2v1, c'est si t'attaques tu peux te faire battre. Si t'attaques tu peux te faire punir, mais si t'attaques pas tu gagneras jamais. C'est ça. Faut donc trouver le bon moment. Bah faut trouver l'opportunité sans pour autant prendre trop de risques et c'est vraiment pas facile à faire, surtout contre des joueurs de ce calibre en fait. À quelle distance? Je veux goûter.
C'est trop bon en vrai. C'est très approximatif. Ah bah. Une roll et demi de Samus. Donc de 0 à 1 roll et demi de Samus c'est safe ou après 1 roll et demi c'est safe? De 0 à 1 roll et demi. Ok. C'est, ah, c'est marrant. C'est un bon angle safe. Quasiment en fait. Ok. Ça fait assez de chiffres. Ça a juste beaucoup de start-up quoi. C'est ça. Ouais, pour auto-cancel quasiment. Ah, je devrais être en train de finir Kingdom Hearts au lieu d'être ici. Ah, horrible ce jeu. Moi je t'avouerais que je devrais être dans mon lit. Cage 1. Aïe aïe aïe. Horrible, horrible cage 1, j'en ai marre. Je suis passé sur COM tellement j'en avais marre du jeu. Mais j'en suis à Dark Riku là et... Genre c'est... Enfin... Ça a aucun sens le pic de difficulté du truc, ça a aucun sens. Et là Allez, vous oh, pardon. Oui, non, c'est ça. Non, c'est bon. On part sur la deuxième game. Allez, cette fois c'est la plante qui a été choisie du côté de Yasmagod qui a tout de suite chargé son poison. Sacha qui garde ce dresseur de Pokémon qu'il maîtrise hein, depuis qu'il maîtrise parfaitement depuis des générations. Non, mais c'est il est connu pour ça. Ouais. Yasmat qui utilise très très bien son neutral B afin d'embêter les deux joueurs ici et de gratter quelques pourcentages. Ah bah ouais, bah après quand tu forces la plante de Yaz derrière il faut avoir la main verte hein, pour aller le chercher ou il faut avoir mis les gants hein, parce que à désherber c'est vraiment un enfer. Ah là là. Et là ça se sent Enfin, on sent un match qui est un peu plus posé, un peu plus équilibré, plus réfléchi, plus posé et un petit peu plus défensif. Alors, c'est à Lille, c'est le 13 rue du Pont d'Arsène. Pont d'Arène. Arsène. Du Pont d'Arène. Et du Pont d'Arsène en effet. Bah, c'est tapez si vous tapez Solti Arena sur Google. Ouais, 13 merde. Rue du Pont d'Arène, c'est dans le vieux Lille. Allez. Du coup, on en est où dans ce match? Parce que j'ai pas forcément bien suivi, malheureusement. Deux stocks du coup sur Taka. Ok, deux stocks du côté rouge et deux stocks du côté rouge et trois stocks sur le Kiko. Bah sur le Yasmat qui tempo bien, qui arrive à faire attention, à gratter quelques pourcentages avec ses petites boules, son poison qui va gratter 40% sur Taka. Ah bah la plante. La plante c'est une pic signature de Yasmagot avec le Ridley et franchement on voit pourquoi là dans ce match à 180% il continue de vivre parce que c'est lourd, le pot est bien rempli du côté du joueur belge. Sacha qui va switch, qui ne se fera pas avoir par le dragdown de Taka mais qui foncera un petit peu trop tôt pour punir ce up-B au sol. Encore et là une fois, on Yasmat, dirait que NGP et Taka sont en train d'abandonner l'idée de tuer Yasmat et qu'ils se concentrent totalement sur Sacha. Ouais mais Yasmat lui il a pas abandonné l'idée de tuer NGP et Taka. Ah bah c'est ça. Et il est, c'est malheureusement le problème. Ouais, il est venu régler un peu les différends. Il a dit bon maintenant vous êtes bien sympa mais la grande finale on a envie de croquer dedans. On rappelle un BO3 hein. Si NGP et Taka gagnent ce match ils avancent. Sinon on se dirigera vers une troisième partie entre ces quatre participants, ces quatre concurrents et pour l'instant ça a l'air d'être plutôt bien parti pour l'équipe jaune, l'équipe belge qui met un avantage de stock même s'ils ont perdu le contrôle du terrain. Taka qui va aller chercher Yasmat et NGP qui va aller chercher, voilà, on vient petit à petit réduire l'écart. Sacha qui a perdu sa stock, NGP et Yasmat qui la perd à l'instant. Bah non, c'est pas un tournoi belge, Finorex il top 8 pas. Non, il a top 8 la dernière fois le jour. C'est vrai. Quelques pourcentages qui sont grattés. J'avais pas remarqué, mais Air Bizarre et la plante, ils ont le même neutral air. Ouais, ils ont le même neutral air. Enfin, un neutral air qui fonctionne de manière à peu près similaire. Le neutral air d'Air Bizarre étant un peu meilleur quand même. Il confirme sur plus de choses. Allez, Sacha qui a oui, été très patient. On a Bina. Pas Bina, comment il s'appelle? Il y a Mbub qui joue Rob parfois. Très, très chaud. Et fut un temps sur Smash 4, on eut un Rob. Ouais. Allez, Zenger. Oh, oui, là-dessus. C'est parfait. Très, très jolie punition. Très bon travail d'équipe qui vient choper la stock de NGP. Et. Il est mort de sa propre bombe. Et mort de sa bombe. Ah, il s'est fait exploser. Il s'est fait exploser. J'ai eu du mal à comprendre ce qui s'était passé sur le coup. Bah, il a.
fallait qu'il revienne et malheureusement il a pas eu le, enfin Taka a pas eu la possibilité de se mettre dans le bon sens et du coup bah il a juste été dire bonjour tout la blast zone. C'est ça. Un partout du coup. De quoi? T'as pas assez attendu c'est ça? Non mais je savais pas si t'avais le temps d'attendre et tout parce que t'étais quand même vachement bas. C'est pour ça que j'ai dit que tu n'as pas trouvé l'angle. Yasmagot qui est d'ailleurs un pseudo un peu trop long pour l'overlay. Ben. Qu'est-ce qui se passe? Ah bah c'est cool. C'est cool, c'est cool. Ça fait toujours plaisir d'avoir des nouveaux persos et de nouvelles personnes. Mais ouais, Creeper, t'as bien fait le clip celui-là parce que ce Don's Row et tout de suite Yasmat était au bon endroit pour détruire. Hein. Ouais, mais comme toujours, c'est toi qui te fais hit. Hein. Utterly good moments. Bah n'hésitez pas à faire en sorte qu'NGP soit à nouveau chez Hit Smash. C'est ça. Si jamais vous aimez voir NGP chez Hit Smash. Mais ça fait du bien à tes sponsors NGP. Tu donnes de la visibilité. J'avoue. Après c'est pas forcément le bon sens tu vois. Genre t'as pas envie de voir le mec que tu sponsors se faire massacrer chez partout. Chez nous on se fait toujours détruire. Du coup ouais je sais pas si c'est le genre de publicité qu'il désire. Et NGP qui va repartir sur son robinet. Qui me semble être un pic plus judicieux là, face à ça. Ou en tout cas au moins un pic qui connaît un petit peu mieux. Dernière game. Yasmat qui fonce directement avec un autre alien et qui tente de spike le Taka, malheureusement ça n'est pas passé. Le petit poison. Belle Delphine c'est réservé au solo. C'est réservé au solo le skin Belle Delphine. Oula, Taka qui n'a pas réussi à trouver sa tech. Et qui se fera avoir. On arrivera à gratter quelques pourcents sur. Le petit plantoptère qui vient gratter des pourcentages et permettre de remonter de manière safe. Le gros up smash qui vient tuer. Ça tue tellement vite ce move. Et Yasmat le sait, c'est pour ça qu'il l'utilise, notamment dans ce genre de situation. Le petit poison qui vient gratter quelques pourcentages sur NGP une fois de plus. Ouais, NGP qui va mettre ce smash et qui trouvera la plante. Voilà, tu t'as voulu passer au-dessus de moi, mais non. J'ai appris de mes erreurs et je mettrai ce smash. Ah, voilà, c'est vraiment une très mauvaise idée d'essayer de passer au-dessus d'une plante. Hein. Bah ouais, mais là c'est l'inverse, c'est la plante qui s'est fait avoir à son propre jeu du coup. L'arroseur arrosé. Allez, on essaye de chercher du terrain pour l'instant. C'est Yasmagot et Sacha qui l'avait en possession. NGP qui est venu libérer un peu Taka de la pression de la plante. Et là, on voit le line-up qui commence à être totalement différent. On voit Taka et NGP qui essaient un petit peu d'encercler les adversaires. Le petit Nosferatu qui vient gratter quelques pourcentages et en même temps se soigner. Ça lui permet de creuser un petit peu plus tout ça. La bombe qui avait disparu. Impressionnant. Ouais. Sacha qui a failli se faire team combo ici, un petit peu complexe la situation pour lui. On est even au niveau des stocks, mais quelques retards de pourcents du côté de l'équipe rouge. Maintenant, quand on a la puissance d'une Levin Sword, oui, ça va. On n'est pas, okay. pas non plus dans le mal. Plaindre. On voit un Taka qui est très à l'aise sur son leak, mais un petit peu moins sur les team combos que ce qu'on a pu voir, notamment avec son Rake, tandis qu'on a un gros freeze. Voilà, on a eu un petit freeze de l'écran. Et le chat qui s'est reset. On espère que pour vous, ça va, que pour vous, il n'y a pas de problème. Un peu bizarre. La petite bombe de Taka qui vient edgeguard Yasmat, qui va choper son avant-dernière stock. Ouais, c'est bon. Allez, Sacha qui va. T'as envie de la plante qui va pas passer. Sacha qui essaye de pousser un peu là sur Taka. Il ne peut plus utiliser le feu, mais c'est pas, ce sera suffisant pour prendre Taka. Est-ce que Yasmat peut revenir? Oui, on est sur une situation de last stock dans cette dernière game de cette loser semi. Il faut gagner pour avancer en loser final pour aller rencontrer eh bien Arnoub et Griffith. Il faut aller chercher, il faut faire l'effort pour les joueurs. Pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt la team jaune qui a pris un contrôle du terrain grâce à un magnifique combo en 3 contre 1.
Taka qui a pris quelques pourcents. De nombreux de nombreux pourcentages qui ont été grattés en effet. Taka qui a 93%, va falloir faire attention à pas se choper un kill move là-dessus parce que la plante et Air Bizarre n'en manquent pas. Voilà, on le voit, on voit bien, le jeu de contrôle de terrain là qui essaye d'être joué. Sacha qui va avec l'Air Bizarre un peu au front. Il utilisera son drac au feu maintenant pour avoir un peu plus de survivabilité. Ouh, joli up smash out of shield de la part de Yasmat qui vient choper la stock de Taka MGP qui se retrouve un petit peu scellé face à ça. Après voilà, maintenant Darren, s'il arrive à placer son jeu de projectile, il a parfaitement les armes pour faire ça. Faut oublier que la plante c'est quand même un des meilleurs. Le weird not back. Hein, il a été éjecté sur le côté. Et très bien joué de la part de Yasmagot. Ça passe pas loin pour Taka et MGP. Taka qui a mangé un team combo à 3 contre 1 puisqu'il a été renvoyé par NGP quand même en tout début de cette dernière stock et ouais. Derrière ça a été un peu plus complexe mais bon une bonne performance hein, pour les joueurs qui finissent du coup 3ème. Non, qui finissent du coup 5ème. Ouais, 4ème je pense. 4ème. Aïe. Les mathématiques et moi c'est pas la fête. Hein. Pa. 13h16. Tedder il commence à se faire faim. Hein. Ouais, il commence à se faire un peu faim là. J'espère que vous êtes en train de vous délecter d'un succulent repas en regardant le